Merci beaucoup, Nicolas. On va continuer, si vous le voulez bien, donc avec notre deuxième session, et donc avec Antoine Cazin, que j'invite dont j'invite à partager l'écran. Antoine est chargé d'études en conservation préventive, responsable de l'imagerie scientifique à la Fabrique des patrimoines de Normandie. Donc là, c'est plutôt sur les relevés photographique des graffitis, la RTI et la photogrammétrie, l'évaluation de ces deux méthodes qu'il va parler maintenant. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je travaille à la Fabrique de patrimoine en Normandie, qui est un établissement public de coopération culturelle qui s'intéresse un peu à tous les champs du patrimoine culturel contemporain, et puis à la conservation-restauration, qui est le pôle pour lequel je travaille. Initialement, nous, dans notre pôle qu'on appelle le labo, on est vraiment spécialisé dans les peintures de chevalet. Et donc, moi, je m'occupe d'un petit atelier d'imagerie scientifique qui a été créé vraiment en appui, initialement, à la conservation-restauration des peintures de chevalet. Et donc, pour la peinture, on s'intéresse à ce qu'on appelle les aspects de surface et on réalise des lumières rasantes. Donc, on en a déjà parlé à plusieurs reprises là depuis le début de l'après-midi. Mais c'est vraiment un outil qui est simple à mettre en œuvre quand on est en studio et qui apporte énormément d'informations sur l'état matériel des œuvres. Et c'est petit à petit, en fait, que moi, je suis sorti un peu du domaine des peintures. Enfin, j'ai toujours une activité autour des peintures et où j'ai commencé à intervenir sur d'autres types d'objets, d'autres contextes, en particulier quand je me suis intéressé un peu à la photogrammétrie. Ça a commencé par un contact que j'ai eu avec le service régional d'archéologie de Normandie, quand il y a eu la découverte fortuite d'un sarcophage dans la cathédrale de Bayeux, donc dans le Calvados, à l'occasion de travaux de mise en place d'une plateforme de mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Initialement, j'étais venu juste parce que j'ai un endoscope et donc on pouvait aller avoir une première vue du sarcophage parce que le couvercle, comme on voit sur cette image, est fendu. Et puis rapidement, on m'a proposé de réaliser des vues 3D en cours de fouille. Il s'est avéré que le sarcophage était quasiment vide. Il avait été inondé et puis pillé aussi dans le passé. Par contre, il était couvert quasiment intégralement de graffiti. Et c'est à cette époque-là que j'avais commencé à m'intéresser un petit peu donc à la photogrammétrie pour les volumes, mais aussi pour les modèles d'élévation, pour des surfaces. Et puis il y a une autre technique qui est la RTI, que vous connaissez probablement au moins pour une partie d'entre vous. Et donc là, assez rapidement, j'ai essayé de faire quelques tests sur ce sarcophage. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas encore trop de pratique. Et puis, le sarcophage, surtout pour la partie intérieure, c'est un volume qui est compliqué parce que qui est difficile d'accès, en fait. Donc, j'avais déjà des premiers obstacles qui m'avaient amené à me questionner un peu sur ces deux techniques. Mais c'est surtout des petites expériences qui, dans la communauté bas-normande à l'époque, avait permis d'échanger pas mal. Et moi qui travaille de façon assez isolée d'habitude, j'ai eu pas mal de contacts avec d'autres personnes, sachant que moi je ne suis ni chercheur ni archéologue, je suis vraiment photographe et technicien. Donc voilà, ça m'a permis ces deux méthodes. Je vous fais un tout petit point rapide un peu sur la RTI. Et sur la photogrammétrie, même si vous la connaissez, ça va me permettre d'alimenter après, moi, mon analyse et l'évaluation que j'en fais à titre vraiment personnel. La RTI, ça n'est que finalement une séquence de prise de vue avec différentes lumières rasantes. Ce qui est vraiment important, c'est que le cadrage est fixe. Ça nécessite un bon pied photo. On travaille sur des zones relativement réduites. Donc, y a vraiment une nécessité d'avoir des cadrages vraiment précis
pour garantir une restitution de la géométrie du sujet. Ça, c'est toujours quelque chose d'important dans la photographie de patrimoine, mais là, je dirais encore plus quand on travaille sur des objets en deux dimensions. Comme matériel, bon, il faut bien sûr un appareil photo, un pied, et on utilise deux petites sphères réfléchissantes. Alors, on peut en acheter spécifiques, mais on peut aussi bricoler. Donc là, par exemple, c'est des boutons de porte en plastique hein, qui coûtent moins d'un euro. L'idée, c'est qu'il faut que ces sphères apparaissent dans la photographie. Et on fait une cinquantaine de photographies, en fait. Il ne faut surtout pas que ni l'appareil, ni ces deux sphères bougent. Donc, il faut garantir une bonne stabilité de tout ça. Et ensuite, il faut une source de lumière qui soit facilement manipulable. Donc, initialement, j'utilisais de la lumière continue. Mais depuis peu, et puisque je travaille dans des sites où il n'y a pas de public, je travaille avec un flash, ce qui est beaucoup plus intéressant, puisqu'on arrive beaucoup mieux à neutraliser la lumière ambiante avec des flashs. Alors ensuite, le post-traitement et la modélisation se font sous des logiciels libres, qui sont relativement faciles d'accès. Moi, je ne suis pas vraiment informaticien et j'arrive à m'en sortir. Et on peut faire des exports d'images, non pas comme des captures d'écran, mais vraiment avec la résolution initiale des photographies. Donc ça, c'est assez intéressant. Je peux vous montrer vite fait un exemple d'interface de RTI pour ceux qui n'auraient jamais vu ça. Donc ça, c'est une prise de vue qui est issue d'une campagne que j'ai réalisée au château de Caen, que je vais vous montrer plus précisément après. L'idée, c'est que l'interface de visualisation qui est gratuite permet de reconstituer, au moyen d'un petit joystick virtuel, différentes lumières rasantes. Voilà. Et donc, on peut aller zoomer assez facilement dans l'image et reconstituer voilà, différentes lumières incidentes pour mettre en évidence certains dessins plus que d'autres. Alors après, il y a pas mal de modalités de visualisation qui permettent entre autres de s'affranchir de la couleur, ce qui est souvent intéressant, comme ça a déjà été mentionné d'ailleurs, et donc d'aller vraiment mettre en évidence les tout petits reliefs. Voilà. Donc ça, c'est assez puissant. La prise de vue est relativement aisée. Par contre, voilà, comme je vous le redirai tout à l'heure, les contraintes, c'est qu'on est sur des zones assez réduites. Quand on a des grands ensembles, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est un outil intéressant. Alors, ensuite, la photogrammétrie, donc c'est beaucoup plus connu. L'idée, c'est de constituer des nuages de points et des maillages à partir de photographies. Donc là, il y a beaucoup moins de contraintes de cadrage. Enfin, le cadrage n'est pas fixe par définition. On peut faire de la photogrammétrie à main levée. Ce qu'il faut, c'est avoir ce qu'on appelle un cheminement. Donc, idéalement, un recouvrement d'images successives de 60%. On peut s'intéresser à des zones de toute taille, des grandes surfaces ou des toutes petites zones. Ça m'est arrivé de faire de la photogrammétrie sur des textiles anciens, donc avoir des zones qui font 3 cm par 4, par exemple, pour aller vraiment faire de l'étude du relief sur des fils. Donc, on génère des nuages de points et des maillages. Comme ça a déjà été dit tout à l'heure très bien à propos du château de Selles, souvent on s'affranchit de la lumière, de la couleur, pardon, et on vient appliquer des lumières artificielles sur les modèles d'élévation. C'est aussi des outils assez intéressants pour produire des orthophotos. Donc voilà, je vais vous présenter deux contextes d'études pour lesquels moi j'ai été sollicité comme prestataire en fait pour fournir des images.
avec à chaque fois des graffitis. Le premier exemple, c'est le clocher de l'église Sainte-Catherine de Honfleur, donc à l'est du Calvados. Et en fait, c'était pour un travail d'étudiant en Master 1 qui travaillait sur des graffitis de marine. Donc, j'avais assez peu de temps disponible. Il faut quand même souligner qu'il y avait des budgets, un petit peu de budget pour de la prise de vue pour un mémoire de Master 1, ce qui est tout à fait remarquable. Et donc, je suis allé sur site pour essayer d'évaluer un peu dans quelle mesure je pouvais apporter des images qui pouvaient permettre à l'étudiant de travailler sur des relevés photographiques de graffiti. Je ne sais pas si vous arrivez à deviner sur cette vue-là, mais le site est assez encombré. Les graffitis se situent sur les parties blanches. Pas travailler au pied, en fait. Ni pour positionner mon appareil photo, ni pour placer des petites sphères réfléchissantes pour faire de la RTI. Et en plus, voilà, j'avais assez peu de temps, donc j'ai choisi de travailler en photogrammétrie. Ça m'a permis, dans un premier temps, d'obtenir des orthophotos des différents murs concernés et de faire un peu un plan et d'avoir une première nomenclature pour les zones que j'allais relever par la suite. Ce que moi j'appelle, alors je suis désolé si j'utilise du vocabulaire inapproprié, c'est ma petite cuisine, j'appelle ça mon calepinage. Donc voilà, D1, D2, D3, D4, jusqu'à D8, et puis pareil pour un mur gauche, etc. Et donc après, j'ai produit un modèle photogrammétrique par bloc. Donc en fait, j'ai travaillé, voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai fait 2 jours de prise de vue, j'ai eu en gros 4 jours de traitement, et après j'ai fait ce que j'appelle 4 jours d'assistance, c'est-à-dire redécouper des modèles, faire des précisions sur certaines zones, faire un peu de formation sur la manipulation des logiciels. Au total, j'ai produit 20 modèles 3D que l'étudiant a analysé en lumière artificielle et puis aussi au moyen d'orthophoto, et grâce auquel il a pu donc faire ses analyses de graffiti. Un autre sujet sur lequel j'ai travaillé l'année dernière, c'est les anciennes prisons du château de Caen. Ça, c'est dans le cadre d'un projet collectif de recherche. Là, j'avais plus de temps, puisque j'ai été contacté pendant l'été 2018. Et donc là, il s'agit de deux prisons, deux anciennes geôles, enfin, qui ont servi de prison au 19e siècle, qui sont vraiment recouvertes de graffitis et de sculptures de bas-reliefs. Ça représente à peu près 100 mètres carrés de mur. Donc, vu la surface, vu les conditions intérieures aussi, j'ai proposé à Luc Bourgeois, donc qui travaille au CRAM, à l'Université de Caen, de réaliser une étude préalable pour définir vraiment les protocoles et les techniques que je pouvais utiliser, ce qui allait permettre de programmer les opérations dans le temps et également de voir si ça pouvait cadrer avec des budgets. Cette étude préalable, déjà, ça m'a permis de faire des orthophotos des murs. D'une part, parce qu'il y avait tellement peu de recul, les pièces sont exiguës, donc on ne peut pas produire des photographies, même avec des objectifs à décentrement ou des techniques de photographie d'architecture. Donc, la photogrammétrie m'a permis d'avoir des orthophotos des murs et puis de me faire un plan de travail sur la base d'une recherche de définition optimale d'image, sachant qu'il était convenu que je... capteur à différentes distances, et on a convenu avec les chercheurs d'une zone, donc c'est le différent rectangle que vous voyez là. Les zones font 50 cm par 70 cm. Le tout photographié donc avec un appareil photo numérique, un capteur moyen format de 50 millions de pixels. Donc déjà, avant de commencer, j'avais mon calepinage et puis la nomenclature préétablie de toutes les images qui allaient être produites et de tous les modèles qui allaient être produits. Donc ça, c'est du temps qui est passé en amont,
mais qui est vraiment hyper important quand on a des grandes opérations. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc au total, ouais, il y avait 325 zones potentielles. Quand la campagne a pu commencer, se poser une question importante pour la RTI, c'était d'avoir un marquage. Alors tout à l'heure, il a été dit à juste titre qu'il est hors de question de marquer de façon pérenne et intrusive les murs. Donc là, ça s'est fait en accord avec le conservateur du château et le responsable du CRAM, Luc Bourgeois. On a procédé à un marquage réversible sur les murs, donc avec une gomme latex sur laquelle il a posé une goutte d'aquazol, un pigment à l'eau. Ça m'a permis de marquer les angles de toutes mes cellules. Et comme j'ai travaillé en photogrammétrie après, ça m'a fait autant de repères pour calibrer mes modèles. Après, j'ai pas mal travaillé sur l'optimisation des prises de vue en RTI, puisque quand on fait de la RTI, je vous le disais tout à l'heure, on fait entre 30 et 50 photos avec à chaque fois une lumière incidente à un angle variable. Donc moi, j'ai programmé mon appareil avec un intervallomètre, c'est-à-dire que tout seul, il prenait une photo toutes les 4 secondes, par exemple. Et moi, je déplaçais la lumière avec mon flash. Ça fait gagner beaucoup de temps parce que les premiers RTI que je faisais, il y avait un opérateur qui appuyait sur le déclencheur de l'appareil photo et l'autre qui déplaçait la lumière. Et quand on est dans un contexte contraint, comme beaucoup d'entre nous, dans le champ du patrimoine, et puis quand on est prestataire, il faut réduire les coûts. Et donc là, on divise déjà au moins par deux le temps d'opération, un peu plus même avec l'intervallomètre. Ça me permettait de faire une prise de vue, cadrage plus prise de vue, j'arrivais à 10 minutes dans les bons jours. Alors qu'au début, je pensais, je mettais 30 à 45 minutes. Ça m'a permis de réaliser 221 zones en RTI, sachant qu'il y a certaines zones que je n'ai pas pu relever parce que les murs, il n'y avait pas d'intérêt parce que les murs étaient trop dégradés ou les zones étaient trop hautes, donc je ne pouvais pas travailler sur pied. Et puis donc j'ai doublé la campagne en RTI par de la photogrammétrie. Alors j'en avais déjà fait au début pour préparer la campagne de relevé dont je suis en train de vous parler. Cette approche-là pour des zones qui ne sont pas accessibles au RTI, donc soit trop hautes, soit dans les angles. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'angles dans ces geôles, hein. Et effectivement, dès qu'on est dans un angle, il y a un certain nombre de directions de lumière qui sont impossibles. Donc ça m'a permis de générer des modèles qui ont été analysés en lumière artificielle, et ça m'a permis aussi de produire des orthophotos détaillés de tous les murs, en fait. Au total, j'ai fait là 39 zones, alors qui sont plus grandes que les zones faites en RTI, hein. Globalement, je prenais de 6 à 8 cellules RTI de 50 par 70 pour chaque modèle photogrammétrique. Alors, je peux vous montrer justement à quoi ça ressemble une lumière artificielle. Donc, comme ça a déjà été dit de façon tout à fait pertinente, il y a des logiciels libres assez faciles d'usage qui permettent de produire des lumières artificielles, de faire des mesures, puisque quand on fait un modèle photogrammétrique, là, on n'a plus de problème de cadrage et de respect de la géométrie, puisque en soi, on produit une géométrie qui, dans l'espace qui est calibrée, dont on peut connaître la précision et l'erreur, ce qui n'est pas le cas en photo. Et donc, on peut aller sur son modèle, appliquer des lumières artificielles et mettre en évidence des petits reliefs, voire des très petits reliefs. On a des précisions qui sont assez intéressantes aussi. Voilà. Alors, à la question est-ce qu'il vaut mieux privilégier la RTI ou la photogrammétrie, évidemment, je ne vais pas répondre.
Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir un peu les enjeux, les grands avantages et inconvénients. La RTI, on peut faire la micro-RTI. C'est assez précis. La prise de vue, une fois qu'on s'y est un peu frotté, est assez simple. On n'utilise qu'un appareil photo et deux boules réfléchissantes et une source de lumière, ce qui pour un photographe est assez simple, voire même pour des gens qui ne sont pas photographes et qui seraient formés assez rapidement. Le post-traitement, il est facile, il est gratuit. Et l'exploitation est assez ludique et assez facile. Par contre, il faut pouvoir maîtriser la lumière. Quand on est en plein jour, en extérieur, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, encore une fois, sur le château de Caen, quand on est sur un mur qui est exposé à la lumière, il faut pouvoir s'affranchir de la lumière ambiante pour pouvoir imposer sa propre lumière directionnelle. Donc ça, on peut y arriver avec des moyens photographiques, avec des filtres, avec des jeux de diaphragme, mais ce n'est pas toujours évident. Et puis, il faut être particulièrement vigilant sur le cadrage, parce que quand derrière, il faut être sûr d'avoir produit d'avoir fait un respect de la géométrie de la scène qu'on observe. Et ça, en photographie, c'est pas toujours facile. En ce qui concerne la photogrammétrie, la prise de vue peut être assez simple. On peut même faire des photogrammétries à partir de séquences vidéo. On sait qu'on va pouvoir respecter la géométrie. Par contre, les solutions logicielles sont un petit peu plus lourdes. Il existe des logiciels libres qui ne sont pas toujours, pour des gens qui ne sont pas informaticiens comme moi, pas toujours super faciles d'accès. Les traitements sont assez lourds et longs. Donc voilà. Bien souvent, moi, je pense que les deux sont complémentaires. Ça a déjà été dit et je vais vraiment dans ce sens-là. Ce qui est important pour la photogrammétrie aussi, en ce qui concerne la conservation matérielle, c'est qu'on produit des nuages de points qui sont référencés spatialement. Et que dans le temps, on peut comparer facilement l'évolution de la dégradation d'un mur, par exemple. On peut faire des comparaisons de nuages de points, on peut faire des opérations mathématiques sur des nuages de points, beaucoup plus que sur des photographies. Donc ça aussi, c'est des aspects intéressants dans la mémoire qu'on garde au-delà du relevé. Pour la conservation matérielle et pour l'analyse de la conservation, c'est un outil important. Pour conclure, moi, en tant que non scientifique, non archéologue, non historien, mais plutôt en tant que technicien, ce qui est vraiment important, c'est vraiment de prendre du temps d'analyser quand on a des grands ensembles à relever, qu'on doit faire appel à des prestataires, par exemple, c'est de ne pas hésiter à vraiment faire des études préalables pour que les bonnes questions soient posées et pour que la programmation puisse être efficace et au final pour que l'argent public qui va être mis en œuvre soit dépensé de façon la plus efficace possible. Voilà en ce qui me concerne. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine et surtout aussi pour cette conclusion avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Et on enchaîne tout de suite avec Daniel Morlegan et Clément Dussard. Donc Daniel est docteur en archéologie, il est associé au laboratoire CIPER LAT et il est aussi entrepreneur pour les relevés 3D, drones et les études archéologiques. Et Clément, vous avez déjà vu tout à l'heure, et doctorant, donc il travaille sur les graffitis en Terre Sainte, et doctorant entre Poitiers et Jérusalem. Donc ils vont parler, mais je pense que tout ça va se recouper, de numérisation photographique des graffitis, des enjeux, des méthodes et des applications. Merci beaucoup. Merci. Et si vous pouvez me confirmer que vous voyez le PowerPoint ou pas ? Oui, on le voit, pas de problème. Merci. Donc, je vais parler au nom de Clément et moi-même et peut-être répéter des choses qui ont déjà été dites dans les présentations précédentes, même si je ne parlerai pas forcément de comment marche la RTI, la photogrammétrie en détail. Et simplement pour préciser que le cadre particulier dans lequel on a fait les travaux avec Clément, hors programme, vraiment en autodidacte, un peu de manière empirique, et donc vous verrez des choses bien différentes de ce qu'on a vu juste avant.
Donc, ces travaux, justement, sont nés d'une rencontre début 2020 avec, enfin, entre des épigraphistes du CESCM et moi-même, archéologue habitué aux outils 3D, suite du constat d'un retard assez important de l'usage des technologies 3D chez les historiens et les épigraphistes médiévistes. Et on s'est posé la question, on s'est intéressé à la numérisation pour essayer d'évaluer l'intérêt des techniques à la fois de photogrammétrie et de RTI en épigraphie. Et avec Clément, donc, on les a expérimentés, on a essayé de réfléchir à leur intérêt par rapport à d'autres outils et techniques, soit traditionnels, soit 3D. Et donc effectivement, tout ça s'est fait en collaboration particulièrement avec Clément, ponctuellement avec Thierry Grégoire également, sur des sites Poitevin principalement, mais également d'autres exemples issus de sa thèse sur le Proche-Orient. Et les premiers éléments, enfin, les premiers résultats de nos tests avaient, enfin, sont publiés sur le site Epimed. Donc, quels étaient les objectifs de nos travaux? Trois principaux. Le premier, il fallait que ces numérisations permettent de documenter au même titre qu'une photo ou un relevé classique, que ces travaux, enfin, ces numérisations permettent aussi l'archivage des graffitis, dans la mesure où ben, on est conscient qu'à la fois le support ou le graffiti lui-même ne sont pas forcément pérennes et souffrent de l'érosion. Et il fallait également, à notre avis, que bah, ces travaux puissent être partagés, alors à la fois à des collègues pour les étudier, mais aussi éventuellement auprès du grand public. Une autre chose, un élément qui nous paraissait important, c'est que ces numérisations permettent d'accroître la quantité et la qualité de l'information, et donc qu'elles permettent d'aller vraiment plus loin dans l'analyse que l'on peut faire du graffiti. Voilà, vraiment apporter une plus-value par rapport à l'observation à l'œil nu ou par rapport aux techniques traditionnelles. Ce qui nécessitait eh bien, que ces relevés soient vraiment, enfin, permettent une précision de lecture de l'inscription du graffiti. Il nous semblait important, et on y reviendra, que ce soit des techniques rapides à mettre en œuvre. Également, donc, qu'elles révèlent des choses ben, invisibles à l'œil nu, ou en tout cas difficilement visibles. Et donc que ça apporte des rendus, des modes de représentation nouveaux par rapport aux techniques traditionnelles. Et un point vraiment indispensable également était celui de l'étude à distance, considérant eh bien, qu'on a souvent un temps limité sur le terrain et que bah, virtuellement on a un temps illimité au bureau, en tout cas il est plus long que notre passage sur site souvent, qu'à distance on peut être plusieurs observateurs, discuter de l'objet du graffiti, soit différents observateurs dans des lieux différents. Et également, une chose qui nous a paru très importante, c'est de pouvoir traiter et ou analyser eh bien, des graffitis dont les données ont été acquises par des tiers. Et vous en verrez deux exemples tout à l'heure. Et donc, quelle a été l'approche de ces travaux? Alors, on s'est placé dans bah, notre cadre à nous, à savoir un épigraphiste ou un archéologue particulier, en tout cas seul, hors d'un grand programme de recherche. On a essayé de se placer dans les situations les plus courantes qu'on peut rencontrer, qui sont souvent contraintes d'une manière ou d'une autre. Et donc, par exemple, on a essayé de réfléchir bah, comment on ferait des numérisations dans le cadre d'une prospection ou d'un inventaire qui nécessite bah, d'identifier et de relever de manière rapide et réactive les graffitis. On l'a déjà évoqué, en général, on a peu de temps pour diverses raisons sur le terrain. On a également des graffitis qui peuvent être difficilement accessibles en termes de distance où on peut poser l'appareil photo, en termes de hauteur également. On verra que parfois on peut trouver des solutions. Et puis dans notre cas, donc des moyens financiers et humains limités, l'idée étant de réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire seul sur le terrain et eh bien, qu'est-ce qu'on pouvait arriver à faire à partir du matériel que l'on avait déjà, ou en tout cas avec un investissement financier relativement limité.
Donc, les sites que vous verrez, les graffitis, ont été choisis pour leur diversité à la fois de lieux, des sites castraux, des sites religieux, de supports, donc des exemples sur pierre, sur peinture, leur nature également. On a traité des textes, des blasons, des dessins ou encore des tracés d'épures. Et également par rapport à la profondeur de leur gravure ou de leur incision, pour essayer d'évaluer bien quelle technique est plus ou moins efficace, suivant la technologie ou la technique en tout cas de réalisation. Et pour terminer sur le cadre de l'étude, le choix du matériel qui devait répondre à deux critères vraiment primordiaux pour nous, la portabilité et le coût. Et comme vous le voyez à l'écran, bien l'ensemble du matériel tient dans deux sacs à dos. Et en bas à droite, vous avez la panoplie des balais, qui n'est pas très importante, qui se compose, si on veut la détailler, d'un appareil photo numérique, d'un flash déporté, de deux télécommandes, l'une filaire et l'autre infrarouge pour déclencher la prise de vue à distance. Et ensuite, des trépieds avec des spots. Pour éclairer les scènes. Également quelques mires 3D et tout en bas ici, si vous voyez ma souris, sous le flash, vous avez les sphères qui servent à la RTI. Donc j'ai en rouge le même exemple que celui qui a été présenté par Antoine. Et à côté, une autre petite boule qui sert de poignée de porte. Et ce qu'on Vous voyez qu'avec un matériel qui est récupéré et adapté, on peut faire de la RTI. Je commencerai par la photogrammétrie. Alors, je ne reviens pas sur comment on l'a fait. Peut-être rappeler simplement le coût, à savoir, par exemple, le logiciel Metachat, pardon, que l'on a utilisé. À un coût assez limité, autour de 500 euros pour la version éducative, alors plus cher pour un autre cadre. Donc voilà, ce logiciel qui sert à faire le modèle 3D. Ensuite, tous les traitements qui sont faits sur des logiciels gratuits. Donc finalement, l'investissement financier est assez faible. Et oui, rappeler aussi les durées. Une acquisition comme là, la stèle de Jean Massé à l'église Saint-Porchaire de Poitiers. Les photos ont été prises en 5 minutes sur le terrain, mais ensuite il y a évidemment le temps de traitement qui est assez long, qui varie, enfin là qui a pris 3-4 heures et qui va être dépendant en fait de la résolution choisie pour le modèle et également de la puissance de l'ordinateur. Donc, un premier exemple, alors ce qui n'est pas un graffiti mais une inscription pour vous montrer l'intérêt de. Oups, pardon. L'intérêt de la photogrammétrie et son efficacité, surtout pour les inscriptions profondément gravées, pardon. Donc là, vous avez à l'exemple le modèle 3D qui est mis sur Internet, sur la plateforme Sketchfab. Et même si là, le modèle est fortement réduit en termes de résolution pour être mis en ligne, on voit que, eh bien, avec quelques clichés, donc un peu plus d'une vingtaine pour cette inscription, on a quand même un résultat assez intéressant qui permet de bien voir eh bien, le relief hein, ou la profondeur et la forme des lettres déjà. Et donc là, une possibilité évidemment de partage avec les collègues et avec le grand public puisque le modèle est public en ligne. L'intérêt de la photogrammétrie aussi, eh bien, c'est donc la production de la donnée 3D. Et ici, vous avez la comparaison entre une photo de l'inscription, donc avec une photo classique, et là, quelques traitements 3D. Et on voit bien mieux apparaître finalement l'inscription sur ces traitements 3D. Et la principale chose, en fait, que ça permet, c'est de s'abstraire de toute la pollution que peut représenter par exemple les mousses. Et ici, on voit par exemple pour le H abrégé de hic, eh bien, parfaitement apparaître la forme de la lettre, mais également apparaître les trois points de ponctuation à la fin qu'on ne voit pas, ou très peu en tout cas sur l'image.
en 3D permettent à la fois de documenter tout simplement, c'est une nouvelle image qui est produite, mais également permettent d'aller analyser en profondeur l'inscription. Un autre exemple d'une inscription hébraïque au château de Marmande. Donc, une inscription ici qui est profondément gravée et chose qu'on ne voit pas, en fait, c'est une seconde qui est ici. Et là, la photogrammétrie va avoir plusieurs intérêts. Pour vous montrer là, le modèle, donc, ici, on a juste le nuage de points. Et donc, on voit une résolution quand même assez importante. Et même si la modélisation s'est faite dans un contexte assez rapide lorsqu'on est allé sur place, vous voyez qu'on a un résultat plutôt intéressant avec une densité de points au millimètre carré qui est très bonne et qui va nous permettre ensuite eh bien, d'analyser même les traces d'outils. Donc, la grande inscription, elle est bien visible. Et par contre, on a ici, une autre inscription, enfin la même qui a été très finement gravée, qu'on voit légèrement apparaître. Mais par contre, le modèle 3D, il permet certes de la voir, mais là, la densité de points ne va pas être suffisante pour permettre des traitements 3D, en tout cas avec l'appareil qu'on a utilisé, la résolution que l'on avait. Un autre intérêt de la photogrammétrie, on l'a vu, c'est de pouvoir produire des ortho-images. Et donc, contrairement à une photographie classique qui est une déformation, plus on va s'éloigner de son centre, l'ortho-image, là, chaque point de la photo va être bien orthogonal alors à l'inscription ou au pan de mur. Et j'ai fait la comparaison, enfin, j'ai superposé deux images, à la fois la photographie classique et l'ortho-image de l'inscription ici. Et on voit que à l'extrémité du texte, on a un décalage entre les lettres. Alors, qui n'est pas énorme, on pourrait dire que ce n'est pas très grave, et même un relevé à partir de photos, ça peut être suffisant, mais non. Et donc, mieux vaut travailler quand même avec une vraie ortho-image, comme on pourrait avoir en termes qualitatifs, en plaçant un calque sur le mur directement, plutôt que de travailler avec une image déformée. Et ensuite, donc, on peut toujours sur ordinateur, si on le souhaite, eh bien, redessiner de manière semi-automatique, comme l'a fait Clément là, sur Photoshop, eh bien, l'inscription. Un autre exemple de photogrammétrie fait à partir d'un jeu de 6 photos seulement prises par Clément en Israël, sans qu'il ait pensé à faire une photogrammétrie. Et donc 6 photos prises en contre-plongée, quasiment toutes avec le même angle de vue, et certaines photos même qui étaient floues. Mais du coup, on s'est dit, revenu de mission, voilà, est-ce qu'on peut tirer des choses des photos qui ont été prises, même si elles n'ont pas été en vue d'une photogrammétrie. Et en l'occurrence, on a réussi à faire quelque chose et à produire une ortho-image. L'intérêt, là, vous le voyez, bien, c'est de permettre une lecture facilitée du texte, et même en termes de création de documentation, on n'a non plus une photo de biais en contre-plongée, mais on a vraiment une vue de face. Et si on ajoute à ça les traitements 3D qui sont possibles, on peut mieux faire ressortir le texte, ou en tout cas une partie du texte, en fonction des traitements que l'on fait, et notamment tout à droite, la dernière lettre qui apparaît plus clairement que sur la photo, dans la mesure où là encore on a fait disparaître la mousse. Par contre, vous voyez que là où il y a des trous dans la pierre, évidemment il y a un trou, donc il n'y a pas de données. Et c'est évidemment la limite de la numérisation qui ne va pas restituer ce qui est manquant. Et donc, oui, une chose à rappeler, c'est que même si avec ces quelques photos, on a pu produire une bonne photogrammétrie, il y a quand même une certaine limite à la qualité des photos. Et là encore, on ne pourra pas faire de miracle si tout est flou ou si la résolution est trop mauvaise de base.
Un autre exemple de photos prises par un tiers en fait d'une inscription dans le Morbihan. Donc d'abord des photos transmises à Estelle Grand-Varenne, puis à Clément qui a demandé à ce que des clichés soient pris vraiment suivant la méthode photogrammétrique pour pouvoir créer le modèle, enfin réaliser un modèle 3D et en jouant sur la profondeur, eh bien mettre en évidence l'inscription en vue de ces lectures. Et donc là, on voit notamment ce groupe de lettres ici, alors qui est là, puisque l'inscription en fait a été employée à l'envers. Mais dans la vraie vie, c'est guère lisible, alors que finalement, là, sur le modèle 3D, ça apparaît clairement. Et après, est-ce que c'est lisible? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on peut le lire? Pour passer maintenant à la RTI. Donc complètement différent comme on l'a vu. Et en termes de coût, eh bien, logiciel nul. En termes de temps, beaucoup plus rapide que la photogrammétrie. Alors, ce qui prend le plus de temps en général pour nous, c'est la première installation, sortir le matériel, faire les premiers réglages. Mais ensuite, en 5-10 minutes à peine, chaque inscription, chaque graffiti peut être numérisé. Et ensuite, le temps de traitement sur ordinateur est assez rapide, en une vingtaine de minutes à peine. Et le résultat final, c'est assez rapide. On voulait aussi vous proposer un exemple de dispositif en autonomie. Donc, l'appareil photo sur trépied, la télécommande ici filaire, et du coup, là, un spot enfin, au bout d'un trépied. Qui permet vraiment d'intervenir tout seul, sans risque pour le coup, de bouger l'appareil photo et sans problème par rapport à la distance de l'opérateur, au déclencheur, sur l'appareil lui-même. Un exemple assez particulier, puisque là, comme vous le voyez, pardon, le chapiteau qu'on numérisait est assez haut, il est à plus de 2 mètres de hauteur. Moi, évidemment, je suis beaucoup plus petit et l'appareil photo pouvait aller uniquement à 1,90 m. Donc, on a une RTI qui est faite en légère contre-plongée avec une déformation pas forcément très grande par rapport à une ortho-image du chapiteau. Et ce dont on s'est rendu compte, en fait, c'est que cette contre-plongée là, qu'on ne pouvait pas dépasser, eh ben, finalement, elle n'est pas très grave et elle n'a pas un impact grand ou pas d'impact du tout sur la qualité de la RTI. En tout cas, ce qu'on pourrait en tirer. Ce qui a eu le plus d'impact sur la lisibilité de l'installation et également l'usure même du support avec une inscription qui est fortement effacée. Et donc là, si l'inscription n'est plus là, elle n'est plus là. Donc, je reviens rapidement sur l'inscription de Marmande, où on voit bien qu'il y a quelque chose sous l'inscription profondément gravée. Et donc, pour vous montrer assez rapidement, comme a pu le faire Antoine juste avant, les traitements, enfin, en tout cas ce qu'on peut en tirer. Hop. Voilà, en jouant sur différents paramètres. Et donc là, on voit quand même très bien le layage de la pierre être mis en évidence et les traits de gravure également. Et donc là, il suffit, comme Antoine l'a évoqué, d'exporter à chaque fois des photos, enfin des images, pardon, avec un angle de vue, un traitement particulier, pour se constituer différents calques, par exemple sous Illustrator ou Photoshop, à partir desquels travailler et ensuite redessiner l'inscription, le graffiti. Un autre exemple là d'inscription d'un graffiti pardon, assez long qui sur place était bien lisible, mais qui suivant l'éclairage naturel, le choix de la lumière rasante, faisait plus ou moins bien ressortir certains détails comme les formes des lettres, etc.
et donc ce que vous voyez sur le GIF à l'écran. Et donc là, la RTI, est-ce qu'elle apporte ou pas quelque chose finalement? On pourrait dire non au premier abord, puisque suffit de mettre l'éclairage plus ou moins rasant, plus ou moins haut, en bas, à droite, à gauche, et de prendre sa photo. Et du coup, c'est bon, on aurait à chaque fois une image intéressante. Sauf que l'intérêt ici, à notre avis, c'est avec le protocole de prise de vue, le fait d'avoir 20, 30, 40, 50 photos différentes, eh bien, d'être sûr qu'on a finalement une exhaustivité dans le relevé. Et finalement, on pourrait quasiment appliquer le protocole RTI sur le terrain, ne pas regarder l'inscription, repartir au bureau et pouvoir hors sol l'étudier. Ce qui n'est pas souhaitable, mais virtuellement, c'est faisable. Donc là, le protocole RTI permet au minimum d'acquérir toutes les informations nécessaires. Et enfin, un dernier exemple sur un grand panneau peint. En fait, on s'est posé la question, à force de faire plein de petites choses, mais est-ce que la RTI fonctionnerait pour des grandes surfaces? Et du coup, on a fait un test, enfin deux tests, l'un d'ailleurs avec un spot à LED et l'autre au flash. Et comme vous le voyez à droite, le flash a une couverture lumineuse qui est de meilleure qualité, en tout cas qui est plus homogène et totale que le spot, où on va avoir une zone surexposée d'un côté et puis en périphérie des zones complètement dans l'ombre. Ce qui va avoir une incidence évidemment sur la qualité finale de la RTI, mais globalement ça ne va pas empêcher le traitement de se faire, ça ne va pas empêcher d'avoir de l'information, c'est juste que ça aura un résultat un peu différent du flash. Et donc là, la conclusion de ces essais, c'est qu'on arrive à faire ressortir des choses comme on le ferait sur une toute petite inscription et notamment... Enfin, un petit graffiti, pardon. Notamment ici, on voit tous les traits qui apparaissent comme il faut. Donc voilà, on arrive à mettre en évidence des reliefs, des creux, à la fois les gravures, mais quand on va dans le détail, on peut aussi voir apparaître les détails des pinceaux, enfin des coups de pinceau. Et... En fait, ce genre d'exemple montre que pour de la prospection sur des grandes surfaces, la RTI peut être appliquée, mais par contre, derrière, si on veut étudier une inscription en particulier, un dessin en particulier, un graffiti, il faut venir faire un focus pour que vraiment l'objet soit centré dans l'image et que du coup, toute la prise de vue, enfin la variation de lumière se fasse autour de l'objet, vraiment, pour pouvoir l'analyser correctement. Et donc, quel bilan, in fine? Alors, assez positif de notre point de vue, en termes de portabilité et d'autonomie sur le terrain, en termes de coût également, avec un investissement relativement faible, hein, inférieur à 2000 euros. Deux techniques qui sont sur le terrain très rapides pour le relever, qui permettent l'analyse sur le bureau, enfin, au bureau, pardon, où on dispose plus de temps dans des conditions qui sont meilleures que sur le terrain, et surtout de techniques qui permettent de diffuser rapidement et facilement leurs résultats, et qui permet aussi aux collègues, eh bien, d'analyser de leur côté, avec leur œil, les relevés. Évidemment, il y a des limites. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, la conservation des supports et des graffitis, et comme l'avait déjà indiqué Nicolas tout à l'heure, le problème du stockage des fichiers informatiques, par exemple une RTI va peser 500 mégaoctets en moyenne, tout fichier, enfin l'ensemble vraiment des fichiers, et une photogrammétrie comme celle de l'inscription de Marmande, par exemple, le dossier complet pèse 9 gigas. Voilà, entre les photos, les
les ortho-images qui sont exportées, les traitements ensuite qui sont faits sous divers logiciels 3D, etc. etc. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en fait après le relevé. Et une chose qu'il faut vraiment rappeler, c'est que ces deux techniques numériques eh bien, ne remplaceront pas, enfin jamais, l'observation directe à l'œil nu, même si elles apportent beaucoup de choses en plus. Voilà, c'est pas parce qu'on a la possibilité finalement de travailler hors sol qu'il faut s'abstenir d'aller sur place. Évidemment, ces deux techniques ne remplacent pas les techniques de relevé traditionnelles comme les frottis, les calques. Et là encore, il faut savoir choisir quelle technique on met en œuvre en fonction du graffiti, du temps dont on dispose, des moyens, etc. Et dans ce tableau, vous avez en résumé de manière graphique une petite comparaison entre RTI, photogrammétrie et scanner sur pied, donc des scanners différents de ceux présentés par Nicolas tout à l'heure. Et ce dont on se rend compte, c'est que globalement, il y a beaucoup de verre quand même dans la photogrammétrie, la RTI, même si pour la RTI, par exemple, les surfaces numérisées sont vraiment le plus gros écueil. Mais en tout cas, ces deux techniques répondent bien aux attentes principales que l'on avait avec Clément, qui sont celles surlignées, en gras, pardon. Voilà, alors que les principales contraintes finalement du scanner sont surtout le coût, la maniabilité ou en tout cas la portabilité, le temps d'acquisition également, en tout cas pour les scanners que moi j'ai l'habitude d'utiliser, c'est des temps d'acquisition plus longs que ce qu'on a pu voir. Et voilà. Et pour terminer, pardon, véritablement, quelques pistes d'amélioration et de développement qu'on a pu identifier. Alors, à court terme, augmenter vraiment la qualité de nos appareils photo, dépasser les 16 millions de pixels qui sont actuellement, au moins aller à 30 millions, qui permettrait vraiment d'avoir une résolution bonne, qu'on pourrait qualifier quasiment de minimale pour étudier ces graffitis. Mettre en place aussi des accessoires RTI, notamment pour éviter de placer sur ou à proximité de peinture les sphères RTI. Et également mettre en place vraiment des protocoles de prise de vue très, très rigoureux et très normés pour gagner aussi en efficacité et puis en temps d'acquisition. Et deux autres choses à développer. La photographie infrarouge, et également les numérisations de graffiti, soit sur pigment, soit pigmenté. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si Clément, tu veux rajouter quelque chose. Merci Daniel. Non, voilà, c'est vraiment tout. Tu as très bien résumé ce qu'on avait fait pendant quasiment une année. J'aimerais surtout revenir sur le fait que c'est vraiment une démarche et qui vise à explorer un petit peu les possibilités que l'on a personnellement quand on n'est ni un professionnel de la photographie, donc quand on a des appareils photo numériques, je ne dirais pas bas de gamme, ce sont quand même des réflexes, mais qui ne dépassent pas les 16 à 20 millions de pixels, et avec une sensibilité à la lumière qui n'est pas terrible, ce qui rend un peu compliqué le travail dans les conditions de terrain qu'on rencontre souvent, dans les églises, dans les châteaux, les choses comme ça, ou même dans les souterrains, ce qui est encore pire. Et vraiment, c'est ce qu'on a essayé de développer, c'était de trouver une piste pour proposer de la numérisation à bas coût avec les moyens du bord, hein, toujours revenir. Je pense que ça a été très bien défini par Jacques Baillargeat tout à l'heure. C'est la bidouille. Quand on ne fait pas ça dans le cadre d'un PCR ou quand on n'a pas de subvention spéciale pour les faire, savoir quelle est la solution qui fonctionne la mieux, mais tout en gardant à l'esprit, hein, tout de même, j'ai pu l'expérimenter, alors vraiment a posteriori, avec le château de Selles, que le scanner, qui a beaucoup d'inconvénients, comme on l'a vu, le scanner, le modèle lourd sur trépied,
qui a été utilisé au château de Celles, par exemple, même s'il a beaucoup d'inconvénients. À l'époque, lorsqu'on s'en servait, je voyais surtout les inconvénients, c'est-à-dire la portabilité, le temps de numérisation extrêmement long, hein, les 90 mètres carrés, si je ne me trompe pas, numérisant une dizaine de mois. Alors que, bon, en photogrammétrie, c'est des choses qui peuvent être faites en quelques jours, voire même peut-être en 2-3 journées. Mais je me suis rendu compte quand même en retournant voir les données du château de Celles, que ce scanner était le seul outil qui permettait vraiment d'aller voir les traces dans toute leur finesse. Et on parlait de traces inframicrométriques ou micrométriques, en tout cas inframillimétriques, ça c'est certain. Le scanner, à mon avis, pour l'instant, est la seule solution qui permet de répondre vraiment de manière convaincante à cela. Mais voilà, comme Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, c'est un scanner qu'on ne peut pas louer dans le cadre d'une occupation personnelle ou dans le cadre d'une recherche personnelle, qu'on ne peut pas acheter non plus. Et voilà, c'est ce qui a un petit peu motivé toute notre recherche, avec toutefois une piste là que Daniel a évoquée et que j'aimerais bien, sur laquelle j'aimerais bien, à propos de laquelle j'aimerais bien poser une question. Justement, à propos de l'intervention qui précédait la nôtre, c'était, alors je crois avoir entendu parler d'un capteur de 50 millions de pixels. Voilà, on s'était posé la question de savoir si, dans le cas de la photogrammétrie et de la RTI, le fait de passer d'un capteur de 16 millions de pixels ou 20 millions de pixels à 50 millions de pixels, produisait un changement significatif en termes de précision des données. Peut-être cela permet-il d'avoir davantage de points de recoupement ou de points de convergence dans le cadre de la photogrammétrie. Donc voilà, donc si jamais vous pouvez nous apporter une réponse à ce sujet, parce qu'on n'a pas on n'a pas fait le test, en fait, on n'a pas eu matériellement le temps ni les boîtiers pour faire le test récemment. Pour répondre à cette dernière question, les RTI au château de Caen, je les ai fait effectivement avec un dos numérique moyen format. Donc il y a non seulement la taille du capteur hein, qui est plus importante, et puis donc on va dire qu'il y a 50 millions de pixels, et en l'occurrence, c'est pas très scientifique, mais c'est des bons pixels, on va dire. Il y a une excellente. Il y a vraiment un piqué très très bon. Par contre, pour faire tourner les RTI, j'ai dû brider l'export. C'est-à-dire que si j'exportais des fichiers lourds, des JPEG lourds, on va dire, à pleine résolution, le logiciel de traitement des RTI, alors j'ai peut-être pas la dernière version, hein, mais il avait du mal, quoi. Donc je les ai un peu bridés quand même. Donc ça, le coût du 50 millions de pixels, bon, c'est toujours qui c'est qui a le plus gros appareil, un peu dans le monde des photographes. Ça peut avoir son intérêt. Mais effectivement, il faut être assez prudent. Ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes optiques. Ça, c'est peut-être plus important, finalement, parfois, que la taille du capteur. Et par exemple, pour la photogrammétrie, quand on fait des murs, on est à main levée. Moi, je n'ai pas du tout utilisé le moyen format parce que je pense que j'y aurais laissé mon squelette. C'est-à-dire que c'est un appareil qui est très lourd. Et donc, quand on photographie quand même avec des cadences importantes, et donc, moi, je préfère largement avoir un réflexe. Certes, avec le meilleur capteur possible, mais là, par exemple, moi, j'ai un réflexe qui fait 24 millions de pixels et c'est tout à fait satisfaisant. Ça me permet juste, je profite d'avoir la parole et pour rebondir sur la précision de la photogrammétrie. C'est vrai que là, tout le monde l'a un peu dit, la photogrammétrie est moins précise peut-être qu'un scanner ou qu'une RTI. Faut pas oublier que généralement, quand on fait de la photogrammétrie, on va traiter des surfaces plus grandes. Mais quand on essaye de faire de la photogrammétrie, alors avec des objectifs macro, sur des petites surfaces, on peut aboutir à des définitions inframillimétriques, et voire même largement inframillimétriques. Je le disais tout à l'heure, j'ai fait des tests, même à travers une vitrine, sur la tapisserie de Bayeux, qui est un objet sur lequel on travaille beaucoup. Je fais des modèles ultra précis en photogrammétrie, où j'ai vraiment, dans le brin de laine, j'ai quasiment les brins, enfin les fils du brin de laine, quoi. Donc, évidemment, je ne vais pas pouvoir avoir cette précision-là sur 1 mètre carré. Mais là, une fois qu'on a une zone d'intérêt qui est délimitée,
et tout, d'où l'idée des études préalables, on peut utiliser de la photogrammétrie, si on n'a que ça comme outillage, pour avoir une bonne définition. Par contre, effectivement, ça va être sur des petites surfaces. C'est une question de densité, en fait. Donc ça c'est super important. Et puis, dernière chose, avant de laisser la parole aux autres, sur le partage, ça ne remplace pas ce que tu disais à l'instant, ça ne remplace pas une visite sur le terrain. Je partage complètement. Juste une petite anecdote pour ce qui s'est passé au château de Caen. Le relevé photographique était prévu entre le mois de mars et le mois de mai 2020. Donc, il s'est passé des choses sur Terre à ce moment-là. Et en fait, il se trouve que j'ai eu le droit d'accéder au château de Caen. Et donc, j'ai fait toute la campagne de relevé pendant le confinement. Et l'archéologue qui devait traiter les données devait arriver sur Caen pour cette mission-là. Il n'a pas pu déménager à cause du confinement. Et donc, lui, il n'avait jamais mis les pieds à Caen. J'ai eu la chance de pouvoir accéder et puis de pouvoir bosser chez moi le traitement des données. On a tout transféré en ligne. Et donc, le 15 mai, on avait fini toute la campagne. Donc, ça a quand même cet intérêt-là, parfois, sur le travail à distance et sur la transmission à distance, qui est assez fabuleux. Voilà. Je pense que c'est à peu près les choses sur lesquelles je voulais rebondir. En tout cas, je voulais aussi dire que je me sens beaucoup moins seul et j'ai été vraiment ravi d'entendre tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Merci à vous trois, à Antoine, Daniel et Clément. Alors, on a déjà un peu dépassé. Si vous voulez, on peut prendre une ou deux questions parce que je ne veux pas non plus frustrer la salle. Et tout ça a été très riche et extrêmement complémentaire. Donc, si vous avez des questions, allez-y, on prend encore un petit peu de temps si les intervenants le veulent bien. Je vois qu'il y a une photo dans le chat. Alors, une photo de Manon. Je lis d'abord la photo et puis après, je vois que Nicolas veut poser. Je lis d'abord la question et Nicolas ensuite. Alors, la question de Manon, c'est: en quoi une bonne RTI photogrammétrie ne peut-elle pas remplacer un frottis? Ça peut, mais après, c'est pas parce qu'on a l'outil RTI qu'il faut nécessairement se dire je remplace le relevé classique. C'était plus ça le sens de ma remarque. Mais si on n'a que du papier, un crayon de bois, voilà, on fera ça, évidemment. Par contre, les techniques d'imagerie sont non intrusives et non destructives. Ouais. Et puis aussi, pardon, Estelle. Vas-y. En fait, ce qu'il faut aussi préciser, je pense, c'est que la photogrammétrie peut être faite à partir de fichiers. Alors, on l'a vu, de fichiers qui ont été pris par un tiers, mais aussi de fichiers qu'on prend de photos qu'on prend lors d'une visite. Je me suis essayé à plusieurs reprises avec mon portable qui n'a pas non plus un appareil photo extraordinaire. À Saint-Savin, on prend en 2 minutes, j'avais fait des photos de 2-3 inscriptions. Et ensuite, je les ai mises dans le logiciel et ça a sorti une photogrammétrie tout à fait acceptable et même absolument suffisante pour une inscription classique avec des caractères bien tracés, bien propres. Donc voilà, c'est aussi l'avantage, je pense, par rapport au frottis, c'est que là, maintenant, tout le monde a un portable avec un appareil photo, donc tout le monde, la photogrammétrie est à la portée de tout le monde, je pense. Merci. Alors, Nicolas, pour la dernière. Oui, alors bravo. Déjà, bravo à tout le monde. Hein. Je suis un grand fan de la photogrammétrie et de la RTI. J'attends le jour où je peux laisser mon scanner à la maison et puis me balader seulement avec un appareil photo. Ça va être vraiment le grand jour. D'ailleurs, vous êtes vraiment aussi les bienvenus. Alors, je suis un grand fan de comparaison, en fait. Et du coup, je vois que vous avez vraiment avancé sur vos protocoles en photogrammétrie. Et ça pourrait être très intéressant de venir faire des photogrammétries au château de Selles, où on a une veille technologique sur 10 ans avec les scanners, et de voir ce que la photogrammétrie peut faire sur un panneau pareil pour qu'on puisse faire un mesh camber, en fait, avec les deux 3D, et voir quelles sont les variables. On est loin. Enfin, voilà, il ne faut pas que ça sonne comme un concours, pas du tout. Enfin, j'étais longtemps étudiant et même en étant plus étudiant, j'ai pas beaucoup d'argent en tant que chercheur. Ça m'arrange pas du tout de dépenser 120 000 € pour des scanners tous les 3 ans. Ce développement, je le trouve vraiment super important. Une chose qui a été mentionnée
sur la RTI, ce que je me demande, est-ce que dans ce domaine, la gestion de relief, elle commence à être gérée ou pas? Parce que souvent, je crois que quand les surfaces bombées, la RTI, elle cale en fait, surtout quand on prend de la distance, et je pense que c'est lié au procédé. Hein. Alors, je ne sais pas si est-ce que là, il y a des avancées en RTI. Ça, c'est une question technique en fait aux utilisateurs permanents de la RTI. Daniel ou Antoine? Oui, Antoine, vous pourrez compléter. Mais en fait, dès le moment où la lumière elle va être arrêtée par le premier relief, et bien, tout ce qu'il y a derrière, ça va être une zone d'ombre. Et c'est là la limite, en fait. C'est tout. Oui, ouais, effectivement, c'est vraiment pour les surfaces planes. Donc, ce qu'on appelle la 2D5, c'est vraiment… on part d'élévation à partir d'une surface plane, quoi. Dès qu'on est bombé, effectivement, on est piégé. Et là, la lumière artificielle sur un modèle photogrammétrique peut être beaucoup plus efficace. Juste un tout petit complément, c'est que comme on était là-dedans, je trouve vraiment que ces techniques, la photogrammétrie et la RTI, c'est des choses où dans l'enseignement, on devrait vraiment les avancer auprès des étudiants parce que c'est quelque chose à mettre en œuvre assez facilement. Alors, je ne veux pas du tout empiéter sur les approches vraiment sophistiquées. À un moment donné, il faut vraiment être spécialiste pour le faire. Mais on a entendu par Jacques en début d'après-midi de nos bidouillages. Le bidouillage peut des fois être vraiment sympa. Et je pense que ça peut vraiment sensibiliser les étudiants à travailler sur leur sujet. Et ça peut, c'est des petits outils parce que là, on est vraiment dans quelque chose de complètement accessible au laboratoire, voire à l'équipement personnel des étudiants. Et du coup, là, on pourrait encore une fois produire énormément de données très utiles. Alors, merci Daniel de ce mot prospection. C'est vrai qu'on ne doit pas forcément arriver tout de suite aux grandes résolutions super sophistiquées, mais rien que ces RTI de prospection, ramener ça à la maison, c'est quelque chose de très, très précieux. Enfin, on le sait tous, on a toujours notre temps est compté sur les sites, on ne peut jamais tout faire. Et puis, la prochaine fois, on reviendra avec des questions beaucoup plus précises. Donc, c'est des documents de travail absolument novateurs, en fait, pour cette phase-là du travail. Voilà. Alors, une dernière question là, qui était dans le chat de Maxime Chartier, c'est quelle serait la solution la plus adaptée pour relever des graffitis sur des surfaces perturbées, sales ou a priori non nettoyables? Alors, qu'est-ce qui serait le mieux? Ça dépend. si le sale, c'est du salpêtre, ça va être compliqué, mais si c'est de la mousse ou du moisi, c'est… Les deux marchent, en l'occurrence la RTI, la photogrammétrie, je pense. Et puis peut-être, effectivement, ce que tu as commencé à évoquer tout à l'heure, c'est l'infrarouge. Ça peut être, moi, je sais que je fais de la photogrammétrie d'objets, alors plutôt pour de l'analyse de pigments ou de repeints, donc en fluorescence ultraviolette ou en infrarouge. Je ne l'ai pas encore testé sur des surfaces, parce que je n'en ai pas eu l'intérêt, mais certaines pollutions visuelles, on peut s'en affranchir via l'infrarouge. Bon, là, par contre, on est dans du matériel spécifique qui n'est pas inabordable. Hein. Défiltrer un appareil photo, c'est 300 € et un filtre, c'est 100 €. Donc, mais ça peut être une piste aussi. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée de couper à ceux qui voulaient encore continuer. Cela dit, j'ai une bonne nouvelle, c'est que ce webinaire a été enregistré et il sera disponible sur Epimed, donc vous pouvez le regarder en boucle si vous le voulez. Je remercie vraiment tous les intervenants parce que c'était passionnant et j'ai plein de messages là qui le disent pour tout le monde et en privé. Je vous remercie aussi parce que vous avez fait preuve vraiment de pédagogie, vous avez expliqué très clairement tout ça pour pauvres épigraphistes que nous sommes, pas toujours très à l'aise avec la technique. Et puis, je crois qu'il y a vraiment, comme je disais, une complémentarité des approches. Vous l'avez tout à fait montré, et montrant aussi l'adaptation à nos conditions réelles de travail, c'est absolument essentiel. Et pour revenir sur ce que disait Antoine, c'est que, évidemment, la question de départ, c'est quand même pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on veut, enfin, quelle est la question scientifique qu'on pose, et du coup, pourquoi on a besoin de ces techniques-là? C'est quand même la question essentielle de départ.
Donc, merci encore à vous. Merci à tout le public qui a assisté. On était une trentaine aujourd'hui. Et puis, donc, il y aura un prochain webinaire. On n'a pas encore la date ni la thématique précise, mais vous serez au courant de tout ça dans les semaines à venir, au moins dès le début de l'année prochaine. Donc, merci encore à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.